Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, comme vous avez vu dans le titre, 6 jours de fond de teint, qui devait être à la base 7, mais j'ai lâché la paire sur 1. Je me suis rendu compte qu'il y en avait un qui était plus disponible, c'était un Kiko, je l'ai mis aujourd'hui, je sais pas si ça vous donne quelque chose, mais il est plus dispo, donc je me suis dit, ça sert à rien, j'ai d'autres fonds de teint à tester, mais je me suis dit, bon, si ça suffit, j'ai mis énormément de temps à faire cette vidéo, en fait, je le faisais une journée par-ci, par-là, en plus des autres vidéos. En fait, je voulais juste vous montrer le rendu des fonds de teint, ma tête avant, ma tête après, le rendu à l'application et ce que ça donne avec toujours le même fond de teint, la même chemise, la même coiffure, utiliser les mêmes pinceaux. Enfin bref, j'ai essayé de faire toujours la même chose. Je sais pas si ça va vous donner quelque chose, en tout cas j'ai pris beaucoup de temps à faire. J'avais demandé sur Instagram si la fin de journée vous intéressait, vous ne m'avez pas spécialement. Après, la plupart de ces fonds de teint, je les ai testés en première impression. Il y a toujours une update derrière en fin de journée, donc si vous voulez aller voir, j'essaierai de tout vous lister soit en haut là, dans une fiche, ou soit dans la barre d'infos. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Donc j'ai testé 6 fonds de teint, enfin 5 fonds de teint et une CC crème que j'aime d'amour, à mon avis, si vous connaissez, vous savez, et qui est tellement courant que pour moi, c'est un fond de teint, quoi. Donc voilà, je vous présente donc les 6 fonds de teint. Voilà, comme ça. Donc, à chaque fois, je vous donnerai les notes que moi, j'ai attribuées en fonction d'une liste qui est toujours la même. D'ailleurs, je crois que je l'avais prise sur... la youtubeuse Sandrea, je crois que c'était elle qui avait fait cette liste et je trouvais que cette liste a été très très bien, que ça donne une note sur 10 régulièrement. Je vous fais je vous les mets sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et donc le premier c'est le Bourjois, le Always Fabulous. Voilà, c'est un fond de teint que j'adore, il est assez couvrant, il a quand même une bonne couvrance. Moyenne plus, je dirais, il est assez lumineux et il fait un effet assez naturel. Le packaging est très très beau, c'est un 30 ml et il y a une pompe donc en plus du bouchon qui se tourne. Donc franchement, ils ont mis le paquet, c'est pour ça qu'il est un peu cher d'ailleurs. Je lui ai attribué une note de 8 sur 10. Il perd du point par rapport à la liste, le fait qu'il ne soit pas cruelty free et vegan, quand même la quantité prix. Et puis, je pense que j'ai dû mettre un demi-point. Et au niveau sûrement du nombre d'éteintes. Voilà, je ne me rappelle plus trop, mais bon, ça doit être ça. Ensuite, le deuxième, c'est le The Ordinary, mais la version haute couvrance. Voilà, c'est un 30 ml. Petit packaging en plastique, super pratique, une pompe, voilà, une pompe qui se tourne, donc voilà, pas besoin de couvercle en plus, de couvercle, de capuchon, de capot, comme vous voulez en plus, il est tout petit, vous voyez, il n'y a pas besoin d'un gros flacon pour mettre 30 ml, et je l'adore, donc il est plutôt mat, mais pas trop, et assez couvrant quand même, vous pouvez cumuler les couches, et il va vous donner quelque chose de super, super naturel. Et il a une note de 10 sur 10. Oui, 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 10 sur 10 parce qu'il remplit toutes les promesses, toutes les cases. Au niveau des teintes, c'est parfait. Cruelty free, vegan, la tenue, la couvrance, voilà, il y a tout. Voilà, je vous laisse la liste, de toute façon, vous voyez. Hein. Mais c'est un 10 sur 10. En troisième, c'est ce que je vous parlais, c'est la CC Crème 3 Pigments de chez Bourjois. J'ai acheté plusieurs tubes. Je le reprends toujours parce que je l'adore. Quand j'ai pas envie de mettre de fond de teint, je mets ça. Sauf que bah, vous allez voir dans les images, bah, il couvre comme un fond de teint. Mais ce que j'adore, c'est il couvre. Pourquoi? Parce qu'il a 3 pigments à l'intérieur qui fait que bah, ça, le orange pour l'anti-fatigue, le vert pour l'anti-rougeur, le blanc pour l'anti-tache. Franchement, je le rachète tout le temps. Voilà, pour moi, c'est la meilleure CC crème. Après, le petit problème, et c'est pour ça qu'il perd du point, c'est 10 points. Qui perd des points, c'est au niveau bah, des teintes, quoi. Malheureusement. Donc, celle-ci, elle a quand même un 8 sur 10 et perd des points par rapport cruelty free vegan et au nombre de teintes. Ensuite, le quatrième, c'est encore le The Ordinary, mais la version sérum. Donc, c'est vrai que les packagings se ressemblent
bah, ils sont identiques, hein, ils ne se prennent pas la tête. C'est juste que c'est écrit que c'est sérum. Donc, c'est un fond de teint que j'adore parce que dedans, il y a le sérum justement donc qui fait un effet soin. Par rapport à l'autre, il est moins couvrant, mais il a un effet quand même plus lumineux, plus lisse. J'ai l'impression qu'il lisse la peau. Et pour moi, il est quand même couvrant. Il a quand même une couvrance moyenne, modulable. Donc franchement, je le kiffe tout autant que l'autre. Donc c'est un 10 sur 10 pour moi. Voilà. Rien d'autre à dire. En cinquième position, vous avez le fond de teint anti-pollution révélateur de lumière, le radieux de chez Yves Rocher. Donc assez récent comme fond de teint quand même. Il est sorti cette année. Donc Made in France, donc c'est bien. C'est un packaging en verre. Voilà. C'est un 30 ml aussi. Rapport qualité-prix, je le trouve un petit peu cher. Ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas mis de capuchon. Ils ont mis le petit truc qui se tourne. Voilà, donc c'est, vous pouvez pour le voyage, vous pouvez l'emporter. Ça se bloque, donc c'est bien. Et ils n'ont pas rajouté de truc en plus qui ne sert à rien. Le packaging est assez joli. Donc celui-là, il est très lumineux. Par rapport au West Fabulous, je trouve qu'il se ressemble pas mal. Peut-être un tout petit peu moins couvrant. Mais il a quand même une bonne couvrance moyenne. Et il est lumineux. Donc je l'aime bien. Et celui-ci, il a une note de 9 sur 10. Parce que il a quand même le demi-point pour le vegan. Pas cruelty-free, mais vegan. Donc j'étais assez surprise. Et il perd un demi-point aussi par rapport à la quantité-prix. Parce que je trouve qu'il est quand même cher. On parle d'Yves Rocher. Je dis pas que c'est pas de la bonne qualité. C'est Made in France et tout et tout. Mais quand même, je le trouve cher hein, quand même. le dernier, c'est le Golden Rose. C'est le dernier que j'ai acheté. Enfin, j'en ai racheté d'autres entre-temps. Mais bon, que j'ai vraiment essayé et que je kiffe. Packaging en plastique, donc c'est cool, 30 ml. Donc là, ils disent que c'est un semi-mat et c'est un total couvrance. Il fait en même temps concealer. J'ai testé hein, dans la vidéo, je le mettrai pas en concealer parce que non. Mais par contre, fond de teint, il est couvrant, mais il fait léger. Il est pas totalement mat. Il est modulable. Il est parfait. Il est hydratant en même temps. J'ai aucun problème. C'est mon plus beau coup de cœur de l'année. Dans tout ça, c'est celui que je préfère, je crois. À part les The Ordinary. Bref, tout cela, je les aime tous. Mais franchement, celui-là, en fait, par rapport au prix, c'est dingue. Il est vraiment parfait. Que dire? Bon, il y a un capuchon. Il se bloque pas. Hein. Mais il y a le capuchon. Voilà. Et pour le prix, quoi. Il est vraiment pas cher. Je pense que c'est le moins cher, peut-être. Je lui ai donné une note de 9 sur 10 parce qu'au niveau cruelty free vegan, j'ai pas trouvé vraiment l'information pure et dure. Donc il perd une note, mais sinon j'y mettrais un 10 sur 10 celui-là. Voilà pour le petit résumé, je vous laisse avec les images. Donc c'est parti pour un nouveau test de fond de teint. Je vous montre ma tête ce matin. Et on va tester, donc c'est le Always Fabulous, le bourgeois. Je vous mets tout en barre d'infos comme d'habitude. Donc c'est parti, je vais commencer par le premier côté avec une éponge humide. Donc voilà ce que ça donne. Et on enchaîne avec la partie au pinceau. Et voilà le résultat. Ça donne quelque chose de lumineux, quand même couvrant. Je vous montre avec les sourcils ce que ça donne et avec l'anticerne. Et voilà ce que ça donne maquillé entièrement. On se retrouve aujourd'hui, voilà, je vous montre ma tête et j'ai des boutons. Donc j'ai testé aujourd'hui le fond de teint The Ordinary et c'est la version couvrante totale foundation. Voilà. Donc je prends toujours les mêmes outils entre guillemets, la même éponge, le même pinceau et toujours la première partie à l'éponge.
Donc voilà la partie faite et non faite. On voit qu'il est très couvrant et pourtant très léger. Et là, je vais le mettre avec le pinceau. Ce que j'adore, c'est qu'on peut faire les couches qu'on veut en fonction de l'intensité qu'on veut. Et il reste toujours aussi léger. Donc voilà le résultat des deux côtés. Les sourcils sont faits. Et l'anticerne est mis. Et voilà, maquillé, on voit qu'il est pas mat, il est pas non plus lumineux, il est juste ce qu'il faut. J'adore ce fond de teint. Aujourd'hui, on se retrouve avec ma tête de fatiguée. Mais bon, c'est ma tête, hein, il va falloir assumer. Et on va tester la CC Bourjois 1, 2, 3 Perfect qui est au top. J'ai déjà utilisé plusieurs tubes et ça, c'est rare. Donc, comme d'habitude, je commence avec le pinceau d'un côté. Voilà, ce que j'aime bien, c'est que c'est quand même assez couvrant. C'est comme si je mettais un fond de teint et avec les correcteurs, ça rend vraiment bien. Et du coup, je fais pareil pour, avec l'éponge. Voilà le résultat. Je trouve que ça couvre quand même pas mal. C'est une couvrance moyenne, hein. Je vous montrais avec les sourcils et avec l'anticerne. Et voilà le résultat. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test. Donc voilà ma tête. Donc aujourd'hui c'est le radieux de chez Yves Rocher. Donc comme d'habitude, je teste d'abord un côté avec un pinceau et après je ferai avec l'éponge. Donc voilà ce que ça donne avec juste un côté. Voilà le résultat avec les sourcils et avec l'anticerne et le résultat final. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test, donc c'est parti. On va tester le The Ordinary, mais version sérum. Je l'adore ce fond de teint, comme l'autre d'ailleurs. On prend les mêmes et on recommence, toujours l'application au pinceau et l'application à l'éponge de l'autre côté. Pour info, l'éponge c'est la même, c'est juste la couleur qui change. Hein. Donc avec les sourcils et avec l'anticerne. Et voilà le résultat. On se retrouve aujourd'hui, ma peau est plutôt pas mal, c'est juste la lumière qui a l'air un peu spéciale et le cadrage peut-être aussi, mais bon, ça ira quand même.
Donc aujourd'hui, on va tester mon coup de cœur de l'année, je pense, hein, c'est le fond de teint Golden Rose. Quand je vous parlais de luminosité, on voit bien quand même. Il est exceptionnel ce fond de teint, c'est un vrai coup de cœur. Donc comme d'habitude, je vous fais les deux applications et puis on se retrouve après. Donc voilà le résultat, je le trouve plutôt couvrant mais naturel, donc c'est pour ça que j'aime bien. Donc avec les sourcils, ce que ça donne, et avec l'anti-cerne. Et voilà, maquillée, comme d'habitude, le résultat. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire lequel vous trouvez c'est le mieux si vous en avez déjà testé. Et je vous mets toutes les teintes et tout que j'ai qui correspond dans la barre d'infos. Vous aurez plein d'informations, ce qui sert à ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.